Chacun ses responsabilités. Couronné roi le 6 mai dernier en l'abbaye de Westminster, Charles III a toujours aimé mettre son petit grain de sel dans certains dossiers politiques. L'affaire des Black Spider Memos en est la parfaite illustration. Alors que la famille royale se doit d'être impartiale, l'époux de la reine consort Camilla Parker Bowles a bien souvent soumis ses idées sur le renouvellement du centre-ville et la conservation de l'environnement auprès de nombreux ministres. Des lettres jugées trop directives qui ont agacé Margaret Thatcher, au cœur d'un documentaire diffusé ce mardi 13 juin sur Arte. Thatcher avait toujours le sentiment que le prince avait utilisé à la fois son statut et sa position morale élevée pour la pousser dans un coin, a révélé Howard Hodgson dans les colonnes du Télégraphe. Et d'ajouter, elle n'était pas contente que le prince Charles exploite son portefeuille politique. Irritée par l'intrusion du père des princes Harry et William, celle qui a été la locataire du 10 Downing Street de 1979 à 1980 a préféré ignorer les lettres de ce dernier. Margaret a toujours été à la fois un peu méfiante et irritée par Charles, a confié un ancien membre du cabinet de la Première ministre. Avant de poursuivre, elle souhaitait que Charles garde son nez à l'écart et s'en tienne à couper des rubans. Cependant, il n'en était rien. Face à l'insistance de l'ancien prince de Galles, l'épouse de Denis Thatcher n'a pas hésité à le remettre à sa place. Si est-ce moi qui gouverne ce pays, pas vous, l'aurait-elle rappelé à l'ordre. L'entente était loin d'être cordiale entre Margaret Thatcher et Charles III. Supérieur à supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en image et Margaret Thatcher, retour sur ses relations tendues avec Elisabeth II. Le roi Charles III n'était pas le seul à avoir des relations quelque peu conflictuelles avec Margaret Thatcher. En effet, l'ancienne première ministre a bien souvent eu de nombreux différends avec la reine Elisabeth II. Au-delà de leurs divergences politiques, la fille de George VI et la chef de gouvernement différaient de par leur personnalité. Si est ce qu'a dévoilé un documentaire The Queen and Her Prime Minister, la reine et ses premiers ministres, en français, réalisé en 2012 et disponible sur Amazon Prime. Le narrateur du film a ainsi qualifié leur relation de parfois délicate. La reine Elisabeth II aurait d'ailleurs plusieurs fois joué avec les nerfs de la dame de fer. Cette dernière, extrêmement respectueuse de la monarchie et peut-être trop ponctuelle, arrivait souvent bien en avance lors de son rendez-vous hebdomadaire avec la reine, a révélé Bernard Tingham, son ancien attaché de presse. Problème, sa déférence exagérée irritait la monarque britannique. Chaque fois qu'elle allait voir la reine, Madame Thatcher arrivait toujours un quart d'heure trop tôt pour son audience hebdomadaire et chaque semaine, la reine la laissait attendre 15 minutes, a dévoilé le narrateur du documentaire. Crédit photo, agence. Take a chance, you can just keep